Péon avec un champion, Général Dupomo, lui allait inscrire son nom derrière au palmarès du Prix d'Amérique, et ça c'était important. 1997, donc victoire de Général Dupomo, qui a montré des moyens jeunes et qui les a confirmés ensuite. Et puis nous terminons cette série avec Julian Ostar, c'était en l'an 2000, un Julian Ostar qui là encore venait s'imposer du minimum. Il n'y avait pas grand chose au passage du poteau, mais il y avait tout de même une petite différence pour le pensionnaire de Jean-Pierre Dubois. Ses concurrents qui ont ensuite remporté le critérium des jeunes. Alors premier. Othello Duribe donc qui s'apprête à volter comme la plupart de ses petits camarades dont on attendait simplement le 6. Onus Madrik. Et le voilà, Onus Madrik. Poteau des 2175 mètres pour cette épreuve de vitesse. Épreuve préparatoire à critérium. Alors, on est pratiquement tous dans les raquettes de départ. Une course qui devrait voir le jour dans une poignée de secondes désormais. Les concurrents étant en train d'effectuer leur volte. Attention. En dehors, c'est le numéro 5 qui tente de venir avec Aubryan. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Départ du prix Paul Viel. Aubryan part très très vite avec le numéro 5, Orlando Vici. Après 200 mètres de course, ces deux concurrents se retrouvent en tête. Ils sont suivis par l'As en noir du clos. Ça s'est très mal passé pour Othello Duribe. Extrêmement mal passé pour le 4 également, le Black du Bocage. 3 et 4 donc pratiquement disqualifiés d'entrée de jeu. Pendant ce temps-là, Aubryan prend la tête avec à sa hauteur le 5 Orlando Vici. En troisième position, noir du clos, le favori OJP Vinoir. Et quatrième, Omanaldo à l'arrière-garde. Disqualifié à l'instant le numéro 3, Othello Duribe. Autre disqualification concernant le 4 All Black du Bocage, un cheval est hors course, il s'agit du 6 Aonus Madrik. De la descente en vue avec Aubryan solo commandement. Aonus Madrik qui vient d'être disqualifié. Orlando Vici est deuxième. OJP Minoir troisième. L'As noir Duclos est en quatrième position devant Osiris de Corbery. Et Omanaldo, 1500 mètres de l'arrivée. Aubryan tête, la descente était abordée sur le pied de 1.13.9. En deuxième position, Orlando Vici. OJP Vinoir obligé de voyager en dehors, troisième, devant Onward Duclos. Osiris de Corbery, la casaque bleue s'est rapprochée. Jos Verbeek, vous l'avez vu, a beaucoup réduit le train, puisque des concurrents qui étaient partis un petit peu plus loin de banque lui viennent de recoller pratiquement dans le sillage d'Aubryan. En sixième position, c'est Omanaldo. Ils ne sont plus que 6 en course alors qu'ils se dirigent bientôt vers les 1150 derniers mètres. Aubryan, Orlando Vici, OJP Minoir dans cet ordre devant Onward Duclos, suivi encore de Osiris de Corbery et Omanaldo. OJP Minoir qui vient rejoindre à 1000 mètres du but Aubryan. Orlando Vici qui vient tout près. Osiris de Corbery qui s'est fait ramener dans le sillage de OJP Minoir. Onward Duclos est 5e devant Omanaldo. L'intersection des pistes. Aubryan qui attend les attaques. OJP Vinoir un peu sollicité en deuxième position devant Orlando Vici. Suivi encore par Osiris de Corbery, Onward Duclos et Omanaldo. Le dernier tournant est en vue. Aubryan qui maintient le rythme. 1.16.6, c'était à 1000 mètres de l'arrivée. Dans le dernier tournant, il contrôle les opérations. Aubryan devant OJP Vinoir, Orlando Vici. Osiris de Corbery, Onward Duclos et Omanaldo. Oh, Aubryan est au galop alors qu'il restait seulement 450 mètres à couvrir, pratiquement 500 mètres. Et il va être disqualifié. C'est une course assez étonnante à laquelle nous assistons. JP Vinoir, Orlando Vici, il se retrouve aux prises devant Osiris de Corbery. Onward Duclos n'est pas battu. Attention à lui, il tente de venir à la corde. Ligne d'arrivée, Orlando Vici, OJP Vinoir, Osiris de Corbery et Onward Duclos. Ligne droite en vue avec Orlando Vici qui lutte avec OJP Vinoir. Suivi de Osiris de Corbery qui s'apprête à déboîter. Il peut terminer vite, Osiris de Corbery. Et il va peut-être refaire ce qu'il a fait la dernière fois. Osiris de Corbery aux prises avec OJP Vinoir qui essaie de lui résister. Osiris de Corbery, OJP Vinoir aux abords du poteau. Osiris de Corbery qui va dominer OJP Vinoir devant Orlando Vici. Osiris de Corbery qui double la mise. OJP Vinoir termine deuxième. Orlando Vici conclura troisième. Et bien voilà, deuxième victoire consécutive après avoir remporté le prix Maurice de Guest. Osiris de Corbery remporte ce prix Paul Viel. Un groupe 2 sur 2175 mètres. Il était proposé en cote finale à 6,20 €. Il est entraîné par Christophe Chalon et drivé par Michel Dresden.
Soriano. C'est un fils de Joël Amoroso et Bellone de Corberie. Deuxième place pour le numéro 9, OJP Vinoir, associé dans cette course à Michel Lenoir, comme à son habitude pour l'entraînement de Jacques Bruno. OJP Vinoir qui avait remporté le prix Emmanuel Margouti se classe ici deuxième à 2 euros. C'était le favori. Et troisième, le numéro 5, Orlando de Vichy, Jean-Michel Bazir pour l'entraînement de Fabrice Soulois, proposé en code final à 11 euros. 8, 9 et 5, c'est l'arrivée de ce prix Paul Vielle édition 2005 pour préparer le critérium des jeunes. Et c'est donc ce aux